Il était une fois Clara, une belle jeune fille romantique qui avait un but dans la vie, trouver son prince charmant. L'homme idéal, j'imagine un beau garçon, intelligent. J'aimerais quelqu'un de gentleman quand même. S'il se cure le nez à table, je vais pas apprécier. Elle croyait naïvement qu'une émission de télévision, la Love Machine, allait enfin lui faire trouver le grand amour. Vos trois princes charmants se trouvent face à vous. J'en suis tout émue, mais j'essaie de garder mon sang-froid. Mais la vie de princesse réserve souvent bien des surprises. Cool ! Et parfois, un prince charmant peut en cacher un autre. Je me trouve moche comme un pou. T'es pas le coup de foudre du tout, quoi. Pour la somme de 100 000 euros, vous allez devoir faire croire à vos familles que vous avez décidé de vous marier. Laisse tomber. On va devoir feindre d'être amoureux. Ça va être très, très, très difficile. Contre toute attente, Patrick va se révéler odieux. On l'a fini ! Cassez-vous. Susceptible. Ah non ! Tout ça me fait chier. J'en ai marre. Incontrôlable. Oh, mais putain, t'arrêtes de tout casser, là ! Excessif. Et il va transformer le beau conte de fées de Clara en un véritable cauchemar. Non ! Il est en train de me faire vivre un enfer. Oh ! Je le hais. Bon, vas-y, tu me saoules. Voilà. Je me casse, pauvre con ! Clara pense que Patrick est un candidat comme elle. En réalité, son faux fiancé et tous ses proches sont des comédiens qui vont tout mettre en œuvre pour faire vivre à Clara les pires épreuves. Voilà Clara. Oh putain, c'est chaud. Mais je me pose beaucoup de questions, en fait. Mon fils, je pense qu'il va se faire chier avec vous. On a décidé de se fiancer. La merde. À Miami, la ville où tout n'est qu'apparence, Clara réussira-t-elle à combattre ses préjugés? T'as l'air complètement taré, t'es hyper excentrique, t'es toujours en train de sauter dans tous les sens, tu me fatigues, ok? Je le trouve vicelard, je le trouve malhonnête, il me dégoûte. Et les proches de Clara accepteront-ils les fiançailles et un mariage prévu dans quelques jours seulement? On a décidé de se marier à Miami. J'étais catastrophée, quoi. Je ne peux pas souhaiter ça pour ma fille, puisque c'est ingérable comme situation. Seront-ils prêts à accueillir ce fiancé hors norme par amour pour leur fille? C'est pas sérieux, quoi. Pour moi, c'est un enfant. Peut-être qu'il peut mûrir en 8 jours, mais non, c'est pas possible. Mais c'est obligatoire de se baigner à poil. Et jusqu'où ça peut aller? Là, oui, on maîtrise rien. C'est fou ce que tu nous fais faire. C'est horrible de mentir à mes parents. Oh, quelle horreur! Comment Clara réagira-t-elle quand surviendra un événement inattendu pouvant remettre en cause toute son aventure? Jamais je lui aurais fait ça. S'il te plaît, je t'en prie, fais ça pour moi. Jamais. Ça me paraît fou, quoi. Pour le meilleur, et surtout pour le pire, Patrick est devenu son incroyable fiancé. Bienvenue à Miami, capitale mondiale de la démesure, des excès et de la beauté. À Miami, on glorifie l'apparence, on voue un culte au corps parfait et on n'a pas peur parfois de tordre la réalité pour mieux la sublimer. À Miami, tout n'est que représentation et mise en scène et ce soir encore, les apparences vont être trompeuses pour la jeune femme qui va me rejoindre. Et cette jeune femme, c'est Clara. Toute excitée, je suis toute impatiente et en même temps, bah, je suis curieuse forcément. Je sais pas ce qui m'attend. Et Clara n'est pas au bout de ses surprises. Chez elle, de l'autre côté de l'Atlantique, elle était loin, mais alors très loin d'imaginer ce qui allait lui arriver. Oui. Je m'appelle Clara, j'ai 25 ans, je vis à Lille dans le Nord-Pas-de-Calais. Je fais des études en ressources humaines par correspondance. Je vis toujours chez mes parents parce qu'on s'entend tous très bien. Il y a une belle harmonie dans la maison. Donc, pour le moment, je n'ai pas cherché à prendre mon indépendance. Mais bon, ça ne saurait tarder. Je suis célibataire depuis plusieurs mois.
Et c'est vrai que je me sens prête à trouver l'amour, à rencontrer quelqu'un, que ce soit constructif et non pas une relation un peu puérile et infantile comme celle que j'ai pu avoir précédemment. Avec ma petite sœur, on est un peu comme deux doigts de la main, on est hyper fusionnel. C'est très important d'ailleurs qu'elle apprécie le garçon que je rencontrerai par la suite. Ainsi que mes parents, c'est important qu'ils leur plaisent, parce que comme moi, les moments en famille sont hyper importants dans ma vie, il faut que le garçon plaise aussi. Clara, elle a une relation de confiance avec nous. Elle nous parle volontiers d'elle, de ses sentiments. Disons que notre avis a un certain poids. Je préfère être seule que mal accompagnée, mais c'est vrai que je serais encore plus heureuse si j'avais quelqu'un. Le plus dur, c'est de faire le bon choix. Mais si t'as l'embarras du choix, c'est encore mieux. L'homme fait pour moi, je l'imagine intelligent, curieux, amusant, structuré, ambitieux. Et ce serait super important pour moi que la personne soit bien élevée, parce qu'il est vrai que je suis quelqu'un d'éduqué. J'aime bien les gentlemen quand même, mais ça se perd. S'ils se curent le nez à table, je vais pas apprécier. En grandissant, on se dit, bon, il n'y a pas que le physique, parce qu'on se rend compte que finalement, c'est un peu superficiel de s'attacher à ça. Mais je peux tomber plus facilement amoureuse d'un beau garçon que d'un garçon que je trouve moyen physiquement. Oui, il est beau, il n'y a pas à dire. Mais c'est moins ton style. Ouais. J'aimerais quelqu'un de musclé, mais sans l'être trop non plus, parce que j'aime pas les bodybuildés. J'aime bien les grands blonds. Alors, c'est un peu mon idéal. Grand blond aux yeux bleus, surfeur, voilà. Il y a quelques semaines, Clara découvre par hasard une annonce lui proposant de rencontrer l'homme idéal dans le cadre d'une émission de télévision appelée Love Machine. Pour participer à cette fausse émission, elle doit remplir un questionnaire. On lui fait croire que ses données personnelles seront rentrées dans un logiciel informatique révolutionnaire afin de trouver les garçons les plus proches de ses désirs. J'ai reçu des questionnaires pour cibler un peu le type de garçon que je recherchais. J'ai passé au moins, je dirais, 3-4 heures là-dessus. J'imagine que les garçons ont dû le remplir aussi. Donc je pense qu'avec ça, si tu trouves pas l'amour, c'est qu'un problème. Hein. Il existe forcément un homme, mais pour moi, quoi. Clara espère beaucoup de cette aventure. Sereine et confiante, elle quitte donc sa famille, direction Miami, pour tourner ce qu'elle croit être Love Machine, cette fameuse émission de rencontre. Bon, je crois toujours au conte de fées, donc j'espère que le prince charmant sera là et on verra. Arrivée à Miami il y a quelques heures. Elle pense participer à une émission de télévision révolutionnaire lui permettant de rencontrer l'homme idéal, un homme qui lui correspond en tout point. Pour Clara, l'aventure va commencer dans quelques instants. Mais ce que Clara ignore, c'est que l'homme que nous allons lui présenter n'a rien, mais alors vraiment rien de l'homme idéal. En effet, voici celui qui va jouer Patrick Pivert, le fiancé de Clara. À 27 ans, Patrick est né en France mais vit à Londres depuis très longtemps où il est comédien. Il se produit d'ailleurs chaque soir sur scène, d'où son accent anglais très prononcé. Hey, are you that comedian, Eric? No, shut up. Désolé, je parle français. Pour expliquer cet accent, il sera donc, aux yeux de Clara, vendeur dans un vidéoclub à Londres. Quelques jours avant le début du tournage, Patrick, contrairement à Clara, a pu visiter la maison et se familiariser avec les différentes pièces pour se mettre en condition. Mais attention, Clara doit être persuadée qu'il n'est jamais venu, qu'il est candidat tout comme elle et qu'il s'est lui aussi inscrit à cette fausse émission qu'est Love Machine. Elle ne sait pas qu'il est comédien et qu'il a créé son personnage de toute pièce. Pendant plusieurs semaines, il a répété avec un coach. Au début, il faut qu'elle gagne ma confiance. Exactement. Et après quelques heures... Ouais. Et il n'est pas le seul comédien. Ses prétendus amis ainsi que tous les membres de sa fausse famille le sont aussi. Ils se sont rencontrés pour la première fois il y a seulement quelques semaines et devront pourtant faire croire à Clara qu'ils se connaissent depuis toujours. Ils vont donc devoir s'inventer une vie et une histoire commune. L'enjeu est capital. Patrick et ses proches doivent être parfaitement crédibles. Car si Clara démasque la supercherie, toute l'aventure s'arrêtera sur le champ. Ça, pour deux semaines, ça va être super. Si
seulement les parents de Clara pouvaient imaginer une seule seconde l'aventure dans laquelle leur fille va les embarquer. Clara, quant à elle, est loin de se douter qu'en rencontrant son partenaire, son rêve de princesse va virer au cauchemar, pour elle comme pour toute sa famille. Allez, Clara est sur le point d'arriver, elle pense trouver l'amour ce soir. Elle pense rencontrer son prince charmant, mais elle va tomber dans les bras de son incroyable fiancé. Impatiente et en même temps je suis curieuse de rencontrer les garçons ou le garçon. J'espère qu'ils rechercheront une princesse comme moi. Jusqu'ici je vis un conte de fées, donc je me dis que le prince charmant doit exister. J'ai un peu des fourmis dans les mains, j'ai le cœur qui bat la chamade, donc c'est beaucoup d'émotions à gérer. Clara est donc en train de faire son entrée sur le plateau de ce qu'elle croit être Love Machine, l'émission censée lui trouver l'amour. Bonsoir Clara, je vous en prie, soyez la bienvenue à Miami, je l'espère pour vous, ville de l'amour. Quand je suis arrivée sur le damier, j'ai vu trois boîtes face à moi, dans lesquelles se trouvait très certainement un garçon avec qui j'étais compatible, quoi. Donc l'excitation était d'autant plus forte. Clara, vous pensez trouver votre prince charmant ? Je l'espère. Je pense effectivement que toutes les conditions sont réunies pour que je trouve mon prince charmant. Donc merci, c'est une superbe aventure. Clara, vous venez d'entrer au cœur d'une expérience extraordinaire et révolutionnaire, la Love Machine. Il y a quelques semaines, vous avez passé une série de tests émotionnels. Vous avez rempli des questionnaires de personnalité. Vous vous êtes aussi exprimé en matière d'homme. Vous avez dit ce que vous aimiez et ce que vous n'aimiez pas du tout. Toutes ces données ont été analysées scientifiquement afin de déterminer quel est l'homme au monde qui vous correspond le plus. Pour que cette expérience soit probante à travers la planète, des milliers d'hommes se sont eux aussi prêtés à cette expérience. Ils ont dit quels étaient leurs goûts en matière de femmes et la machine a établi des correspondances. Je vais vous faire une petite confidence. L'un d'entre eux s'est considérablement démarqué. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Clara, je vais vous demander d'accueillir le professeur de la cour. Professeur, bonsoir. Clara, bonsoir. Je vous présente l'un des créateurs de cet outil révolutionnaire qui est la Love Machine. Professeur, est-ce que ça a été difficile pour la Love Machine d'établir des comparaisons entre Clara et toutes ces jeunes personnes ? Clara, il y a beaucoup d'hommes compatibles pour vous. Vous me la prenez. Et parmi eux, trois se sont distingués assez nettement. Chacun d'eux atteint un taux de compatibilité égal ou supérieur à 80%. Clara, est-ce que vous pensez que quelqu'un puisse vous correspondre réellement ? Bien sûr. Je pense que quelqu'un peut me correspondre réellement sur cette planète, c'est évident. Vous l'avez compris que vos trois princes charmants se trouvent face à vous. Ils sont vraiment, mais alors vraiment emballés à l'idée que vous les déballiez, ma chère Clara. Mais attention, un seul d'entre eux va pouvoir vivre une expérience hors du commun avec vous. D'accord. Sous le soleil de Miami, cette personne est le garçon qui obtiendra le plus grand taux de compatibilité avec vous. Nous allons commencer par la première boîte
Il s'agit d'Olivier. Olivier a 28 ans. Il est médecin, plus précisément chirurgien. Il a décidé de consacrer sa vie à aider les autres. Rien n'est plus important que sa famille. Ses passe-temps favoris sont le sport extrême et la lecture. Olivier est un homme drôle et cultivé, mais plus que tout, la qualité d'Olivier est la générosité. Mais il a l'air parfait. Il a l'air de réunir bon nombre de qualités que je recherchais dans un garçon. C'est un beau garçon. Il a de jolis yeux derrière ses lunettes. Vous pourriez partir directement en rendez-vous avec Olivier ? Bah oui, mais je suis curieuse de voir les deux autres. Professeur, est-ce que vous pouvez nous révéler le taux de compatibilité entre Clara et Olivier ? Il est très impressionnant. 88%. Bah, c'est assez énorme. C'est un homme dont les désirs et le physique vous correspondent en quasi tout point. Ouais. Vous en êtes consciente ? Oui, tout à fait. Nous avons encore deux autres garçons à découvrir, deux autres boîtes. Et si toutefois l'un d'entre eux a un score supérieur à 88%, alors vous direz au revoir à Olivier. Ma chère Clara, est-ce que vous êtes prête à découvrir votre deuxième boîte, oui, votre deuxième garçon ? Je suis prête. Clara, il s'agit de Théo. Théo a 25 ans. Il est auteur, compositeur, interprète. Théo a un don exceptionnel, c'est sa voix. Et comme si ça ne suffisait pas, il joue de 6 instruments de musique, dont la guitare, le piano et le violon. C'est un amoureux de la nature et des animaux. Son rêve est de vivre dans une maison, sur la plage, avec la femme de sa vie, entourée de ses nombreux enfants. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Théo ? Bah, il est charmant. C'est très romantique. Un musicien, mélomane. Puis en plus, sa vision de la vie sur la plage, pardon. C'est le cadre idyllique que j'imaginerais pour vivre. Alors, est-ce que Théo est plus ou moins compatible avec Clara qu'Olivier, mon cher professeur ? Alors, quels sont les résultats ? 80%. C'est très bien, mais c'est quand même pas suffisant, puisque je vous rappelle, Clara, que Olivier a obtenu un score de 88% de compatibilité avec vous. Théo, malheureusement, ne fait pas le poids. Ouais. Clara, vous allez être obligée de dire au revoir à Théo. Au revoir, Théo. Il nous reste une dernière boîte à découvrir, un dernier prince charmant pour vous ce soir. Peut-être sera-t-il votre prince charmant, ma chère Clara. Il s'agit de Romain. Il est très beau, hein, faut le dire. Magnifique. Il a 25 ans. Il arrive tout droit du sud-ouest de la France. Ce sportif a réussi l'exploit de vivre de sa passion. Il parcourt le monde et ses championnats. Il collectionne les prix. Mais ce n'est pas tout. Romain est surtout un homme gentil, attentionné et généreux. Forcément, je peux être que séduite. Ça a l'air d'être le prince charmant. Le fait que ce soit un surfeur, j'adore parce que j'aime bien la philosophie du surf. Oui. Quelle est la philosophie du surf ? Le fait d'être en harmonie avec la nature, la mer, l'océan, les éléments, tout ça. J'aime beaucoup. Eh bien, nous allons tout de suite découvrir les résultats. Quel est le taux de compatibilité que vous avez eu avec Romain, d'après la Love Machine, mon cher professeur ? Romain atteint un score de 92%. C'est énorme, c'est énorme. J'imaginais pas que les tests puissent aboutir sur de tels résultats. J'ai toujours un petit peu cru à l'âme sœur, quoi, qu'il existait quelqu'un avec qui on avait une compatibilité immense sur cette planète. Donc j'en suis tout émue, mais j'essaie de garder mon sang-froid. Une chose est sûre, Olivier est en dessous. 88%, c'était déjà un score assez magique, magnifique, mais malheureusement, ce ne sera pas aujourd'hui que vous ferez la connaissance d'Olivier. Nous allons rester avec Romain. Vous l'avez compris, Clara, entre Romain et vous, votre union est proche de la perfection. Eh ben. Mais j'ai une nouvelle
encore plus exceptionnel à vous annoncer. Parmi toutes les personnes qui se sont présentées à la grande expérience de la Love Machine, un d'entre eux a obtenu un résultat, mais alors plus qu'exceptionnel. C'est un résultat quasi parfait. Mon cher professeur, je crois que c'est du jamais vu. Les résultats dépassent l'entendement humain. Du point de vue scientifique, c'est inexplicable. Quels sont les résultats ? 99%. C'est fou. Ça me paraît fou. Ça me paraît plus qu'improbable. Je me demande qui peut bien être ce garçon, parce que 99%, je pensais pas que ça pourrait exister. Je suis curieuse de le voir. Clara, ça veut dire que sur Terre, un homme est fait pour vous. C'est fou. Une chose est sûre, Romain ne fait pas le poids face à la personne que nous allons vous présenter. Merci, Romain. Sans regret, Clara ? Bah, sans regret, je me fie à la machine. J'imagine que vous avez envie de faire connaissance avec l'homme qui vous correspond à ce point. Oui, j'ai grandement hâte de rencontrer ce garçon. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Dès que vous allez le voir, en vrai ? Que je l'attendais depuis toujours. Eh bien, Clara, cet homme est sur le point d'arriver. Bonsoir Patrick. Ça va ? Ça va. Bien. Soyez le bienvenu dans Love Machine. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va bien ? Oui. Tu vas ? Enchantée. T'es très belle. Merci. Bien, on match. T'as un petit accent. T'es anglais ? J'habite en Angleterre, ouais. Ça va ? Ça va. Faut retirer. Faut rire parce que je t'imaginais pas comme ça. Ah bah moi non plus. Patrick, il y a quelques semaines, vous avez effectué une série de tests. Vous avez rempli des questionnaires de personnalité. Vous vous êtes aussi beaucoup exprimé sur vos goûts en matière de femmes. Les tests sont rentrés dans cette Love Machine pour déterminer qui est la femme qui vous correspond le plus au monde. Eh bien, Patrick, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Et cette femme, c'est Clara. Cool. Super. Bah oui. C'est bien. C'est bien. On a gagné. Patrick, Clara, vous avez obtenu tous les deux un score quasi parfait. Un score de 99%. Clara, vous en pensez quoi ? J'en pense que je ne m'attendais pas à ce genre de physique. De quoi tu parles ? Non, mais c'est pas ça, c'est juste... Je suis long. Non, c'est pas ça. Non, c'est ta tenue, c'est particulier. Puis la ceinture, c'est un peu démodé, tu vois. Mais c'est cool, non ? Non, attends, c'est vintage. Non, c'est complètement has-been, en fait. Has-been, attends. J'ai été vraiment surprise, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. On m'avait dit, tu vas rencontrer le prince charmant. Et pour moi, le prince charmant, je l'avais dit dans mes critères, c'est important que physiquement, je le trouve à mon goût. Et c'était pas du tout le cas. C'est pas du tout mon style de garçon. Et c'est pas le genre de garçon qui m'attire. Son visage, je suis pas tombée sous le charme de ses traits. Et donc j'étais pas enchantée, quoi. C'était pas le coup de foudre du tout, quoi.
Clara, Patrick, vous êtes tous les deux là pour trouver l'amour. Ouais. Est-ce qu'à vos âges, vous croyez encore aux contes de fées? J'imaginais pas le prince charmant comme ça. Alors, justement, l'amour, le cheval blanc, le prince charmant, l'amour avec un grand A, tout ça, vous oubliez? J'ai quelque chose de bien mieux à vous proposer. Clara, Patrick, vous êtes là pour rencontrer l'amour. Ouais. Mais j'ai une proposition encore plus intéressante à vous faire. Pour la somme de 100 000 euros, chacun, vous allez devoir faire croire à vos familles que vous avez participé à une émission de télévision, que vous êtes éperdument tombés amoureux l'un de l'autre et que vous avez décidé de vous marier. Mais attention, pour gagner cette somme, votre famille et vos proches doivent être extrêmement convaincus de votre amour. Laisse tomber. Ma mère, surtout, elle va tomber des nues. Ma sœur va penser que je me fous d'elle. Sachez que la date de votre mariage a déjà été fixée. Votre mariage aura lieu dans 16 jours, ici même, sous le soleil de Miami. Vous allez devoir vous assurer que votre famille et que vos amis acceptent votre relation et participent à votre cérémonie de mariage. Si l'un d'eux manque à l'appel, ou si l'un de vos proches ou l'un des membres de votre famille s'oppose à votre union, alors ce sera perdu. Vous repartirez de Miami sans le moindre centime. Si en revanche, toute votre famille est présente et que personne ne s'oppose à votre union, eh bien, ce sera 100 000 euros pour vous. 100 000 euros chacun, Clara. Est-ce que vous acceptez ce marché? Oui. C'est trop beau. Je suis dans un conte de fées. Toi, t'as la meilleure chambre, merde! Ah, mais tu mets tes chaussures sur mon lit, c'est dégoûtant! C'est quelqu'un de très expansif, qui saute dans tous les coins. On va pas me faire mal, pas me faire mal. T'inquiète, je sais le faire, je sais le faire. Ça va être très difficile. Putain! Non. Repose-la, arrête, s'il te plaît, j'aime pas les armes à feu. Je pensais pas que ça irait jusqu'à prendre une arme à feu et à tirer. Pardon, hein. Merde. Ça va? J'ai même plus envie de continuer, j'ai vraiment... Je me sens pas bien du tout. Et j'ai envie de rentrer chez moi. Que vous soyez heureux ou non en amour, vous pouvez tester à présent votre chance au jeu. Nous vous offrons cette saison un voyage pour deux à Miami ou un chèque de 5000 euros. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Avec qui Clara doit-elle former un faux couple? 1. Théo ou 2. Patrick? Appelez le 3680 ou envoyez un ou deux par SMS au 71414. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance! Que votre famille et que vos amis acceptent votre relation et participent à votre cérémonie de mariage. Si l'un d'eux manque à l'appel, ou si l'un de vos proches ou l'un des membres de votre famille s'oppose à votre union, alors ce sera perdu. Vous repartirez de Miami sans le moindre centime. Si en revanche, toute votre famille est présente et que personne ne s'oppose à votre union, eh bien, ce sera 100 000 euros pour vous. 100 000 euros chacun, Clara. Est-ce que vous acceptez ce marché? Ça m'a déstabilisée quand elle m'a annoncé ça. Effectivement, je me suis posé des questions.
Je me suis demandé si on allait réussir à vivre cette aventure ensemble. Ah, cool. Oui. Ouais. On est très très différents l'un de l'autre. Il est vrai qu'on n'a strictement rien à voir. Donc là, niveau compatibilité, j'ai du mal à le croire. Ouais. Tu l'acceptes? Oui, tout est... Ouais, c'est bien. Mais ces 100 000 euros, c'est très important pour moi. Ça me permettrait d'avoir tellement de projets. J'ai envie de prendre mon appart, j'ai envie de prendre mon envol. Je sens que c'est vital, que j'ai quand même 26 ans et qu'il est temps que je grandisse. Allez, on est prêts. Cool. On l'accepte tous les deux. En effet. Je l'accepte. Oui? Ouais. Alors, Clara, Patrick. Sacré des fiançailles pour le meilleur et pour le pire. Patrick, Clara, je vous invite donc maintenant à visiter votre villa de star de 3 500 m². Vous allez devoir cohabiter pendant 16 jours, apprendre à vous connaître, apprendre peut-être à vous aimer, en tout cas, faire croire au monde entier et à votre entourage surtout que vous formez un véritable couple. Je vous laisse rejoindre votre majordome, Brian. Je vous souhaite bonne chance et comme on dit ici, welcome to Miami. Merci. Tu veux pas qu'on parle un petit peu? De quoi? Tu veux pas qu'on parle un petit peu? Non, enfin oui. Moi j'aimerais bien. D'accord, vas-y, alors assieds-toi. Viens, assieds-toi. Viens, t'es à côté de moi. Bon. Moi, je suis venu ici pour rencontrer quelqu'un, mm-hmm. D'accord. Je sors du bateau et je te vois et je crois, ah putain, ça va se passer. Moi, je vais rencontrer quelqu'un de cool et directement, tu te fous de ma gueule. Mais je me suis pas foutu de ta gueule. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien? Mm-hmm. Bien. Enchantée. Pourquoi tu ris? Faut rire parce que t'imaginais pas comme ça. T'as rigolé directement. Je sais que j'aime bien quand je m'habille. C'est ta tenue, c'est particulier. D'accord. Puis la ceinture, c'est un peu démodé, tu vois. Mais c'est cool, non? Non, c'est complètement has-been, en fait. Has-been, enfin. C'est bête et méchant. J'avais l'impression d'être vraiment la peste de la cour de récré. Je te trouve vraiment très mignon, en plus. C'est vrai, c'est juste que moi, j'avais des lunettes avant, je les ai retirées parce que j'aime pas les lunettes. Et voilà, moi, je te trouve vraiment charmant, très honnêtement. Et moi, je suis dans la même situation que toi. Hein. Je suis là aussi pour trouver l'amour. T'es très belle. Mais toi aussi, t'es mignon. Ouais, c'est... Non, je te jure, je le pense vraiment, je te trouve mignon. Et j'ai envie de te connaître. J'ai envie de te connaître. Et ça se trouve, je tomberai peut-être amoureuse de toi. Je lui ai dit peut-être que ça se trouve, on allait se tomber amoureux l'un l'autre, mais je pense que c'est carrément inimaginable. Mais je vais pas lui dire en face, ça va lui faire de la peine. T'es un beau garçon, t'es spontané. Ça se trouve, on sera... tu vois, on sait pas, peut-être qu'à la fin, on sera ensemble. Et tu m'as fait rire parce que je te trouvais expansif et t'es très expressif, tu vois. C'est vrai, tu le sais, ça, non? Ouais. Donc j'ai cru que tu essayais de me mettre à l'aise en faisant des grands gestes et tout ça. Et donc, ça me faisait rire. Non, mais c'est pas grave, ça m'énervait un petit peu, mais c'est... merci. T'as qu'à me mettre une claque. Tu me fais mal, hein. Pardon. Désolé, merci. Merci, désolé. C'est pas grave. Donc, allez, on profite de la maison alors. Ouais, bah alors vas-y, on va visiter. Vas-y. Ça, c'est charmant. Elle est belle. C'est de bon goût, hein. Mais elle te ressemble un peu. Sauf le nibar, là. Mais qu'est-ce que tu sais? Enfin, je te permets pas. Pardon. Oui, mais je lui en prendrais bien un petit peu. Faudrait qu'elle me fasse don de sa poitrine. On va où, alors? Mais je sais pas, t'as vu, la cuisine, elle a l'air incroyable. Vas-y, on va aller voir la cuisine. Parce que moi, j'adore manger, je sais pas pour toi. Regarde le frigo!
Tu veux une fraise? Arrête, arrête. Oh, Clara. Tu te venges en me balançant des fruits sur la tronche, c'est ça? Ah, je suis pas comme Tom Cruise, mais... C'est quelqu'un de très expansif, qui saute dans tous les coins, puis il commence à jeter les fraises, à me les jeter dessus, après il commence à jongler avec les bouteilles, à me faire un cocktail, mais du n'importe quoi le cocktail. Ça, ça sent super fort, hein. On va être malade. Hein. C'est de l'alcool à 90 degrés. Hein. À ta santé. À notre rencontre. Santé. Ah, c'est bon. Ah, c'est fort. Oh. Ah oui, c'est fort. Oh. Pardon. Bon. Oh. Ça va? Ouais, ça va. Il boit le verre cul sec, j'ai cru qu'il buvait de l'essence, il a dû se cramer les intestins. C'est drôle, mais en même temps, c'est perturbant. Let me show you Danny, bro. Et alors? Oh, ah, elle est bleue. Est-ce que t'aimes bien l'art? Ça c'est de l'art? Bah, c'est un peu un monochrome, quoi. Oh, moi, je pourrais le faire, ça. Non, tu pourrais pas le faire. Pourquoi pas? Tu fous de ma gueule tout le temps, toi. Si t'es susceptible, ça va le faire. Faut faire attention à ce qu'on dit, à pas le blesser, c'est très dur à gérer. Chier. J'ai l'impression que c'est un peu un grand enfant qui contrôle pas trop ses émotions. Et Clara, tu penses à quoi? Ah, ouais. Là, on dirait un cow-boy. Ouais. Ah oui, ouais, ça marche bien, ouais. Ouais. Ouais, ça marche très bien. Star Wars. Ah, tu aimes Star Wars? Ah, j'adore Star Wars. Quel épisode? Lequel? Aïe, aïe. Pardon. Attends, lequel? Je réfléchis. Moi, je préfère celui où il apprend que Dark Vador, c'est son papa. Ah, c'est un bon épisode. Ouais. Ah, pour une blonde, tu connais tes épisodes? C'est bien. On y va, on y va, on y va. Let me show you what we have upstairs. Thank you. You're welcome. Chambre. Oh, c'est ta chambre. Attends, t'as un tigre, t'as vu? Ouais. T'aimes les animaux? Ah, j'adore. Et toi? Ouais. Ouais. Si je ferais l'amour avec un animal, ça serait un tigre. Ah ouais, quelle horreur. Si tu ferais l'amour avec un animal, tu ferais quoi comme animal? Déjà, il faut savoir les choses comme ça. Mais non, mais je ferais pas l'amour avec un animal, parce qu'un animal, j'ai pas envie de faire l'amour avec. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Bah oui, bah les oui. Humains, ils sont des animaux. Bah oui, bah donc je ferais l'amour avec un humain. Patrick, il est très spécial. Je me sentais assez mal à l'aise. Quand on est face à quelqu'un qui est totalement différent de soi, bah c'est assez perturbant. Do you want to see your room, miss? Yes, I would like. Yes, I would like to see her room as well. On va voir. Ah, oh, putain, mais tu me violentes vraiment, hein. Pardon, pardon, pardon. On the left-hand side, you have a bathroom. Oh là 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 là. C'est ta salle? C'est notre salle? Je ne sais pas. Eh ben. On peut prendre les douches ensemble? Ah bah ouais, dis donc. Hein? On va voir quand est-ce qu'on la prendra ensemble, oui. Alors, je le lave. Et là, t'as les toilettes. Magnifique. Hein. Y a pas de verrouille. One. Show your room, miss. Yes. Attendez-moi, hein. Non, mais là, je pense qu'il faut qu'on aille voir la chambre. Ouais, attends, je vais juste aller aux toilettes. Bah, moi, je vais visiter ma chambre. Oh, ça fait du bien. C'est trop beau, quoi. Au premier coup d'œil, je tombe directement sous le charme. Je suis dans un conte de fées. C'est rose bonbon acidulé, enfin, j'adore. C'est ta chambre? Regarde, non, mais c'est trop beau. En plus, j'adore les pluches. C'est ta chambre? Oui, mais attends, détruis pas. Oh, détruis pas. Oh, putain. T'aimes le rose? Ouais, j'adore. Oh, ah, c'est trop, trop bien. Toi, t'as la meilleure chambre, merde. Ah, mais tu mets tes chaussures sur mon lit, c'est dégoûtant.
Mais t'es un vrai cabri, dis-moi. Tu fais le parcours. Tu fais du basket, en fait. Ouah, t'es James Bond, en fait, c'est ça. Ouais. Alors, il est confortable, ce lit? On essaye. Ah oh, le pied, hein. Il est super levé. Va pas me faire mal, va pas me faire mal, va pas me faire mal. Je sais le faire, je sais le faire. Ah ouais, mais tu m'as fait mal plusieurs fois. Bon, on y va ? Allez, on y va. I can show you what I have over here. Wow, c'est une boule de nerfs, une boule d'énergie, il est incontrôlable. Incontrôlable, c'est le terme. Ouais, il touche à tout. Comme c'est quelqu'un d'ingérable, ça me fait un peu peur quand même. Et le personnage de Patrick ne compte pas en rester là. Pour clôturer la visite de la maison en beauté... T'aimes quoi comme film ? Il a encore réservé à Clara un mauvais tour qui risque de lui gâcher définitivement la soirée. Putain. Oui, il y a une arme à feu, j'ai vu. Ah, mais n'y touche pas, hein. Sir. Non, 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 non. Oh, sir, c'est quoi ? It's antique. Can you put it back, please ? D'accord. Repose-la, j'aime pas les armes à feu. Pas. Putain, mais c'est lourd. Non, mais ça m'angoisse, les armes à feu, s'il te plaît, pose-la, j'aime pas ça. Je déteste ça. Il est super, ce fusil, attends, ouais. Sorry, I thought that... Pardon, pardon. Hein. Merde. Ça va? Why have we left the fucking gun? I told you, sir, that you need to put it down. I thought it was a fucking toy thing. I told you to put it down. Désolé, je crois que c'était... Pardon. Laissez pas une arme aussi. Patrick peut être content. La supercherie a parfaitement fonctionné. J'ai l'impression qu'il est pas très... Il est pas contrôlable, en fait. Franchement, je pensais pas que ça irait jusqu'à prendre une arme à feu et à tirer. Il contrôle rien, il s'emballe. Moi, je peux pas être sereine. Hein. J'ai l'impression qu'il me déteste. J'ai même plus envie de continuer. J'ai vraiment. Je me sens pas bien du tout. Et j'ai envie de rentrer chez moi. La journée de Clara à Miami est très loin de ressembler à son rêve de princesse venue rencontrer le parfait prince charmant. À cause de Patrick, le conte de fées de Clara pourrait bien se transformer en cauchemar. Nous avons organisé pour vous une séance photo. Le photographe ne devra douter à aucun moment de votre sincérité. Je vais devoir essayer de jouer la comédie avec ce garçon. Ça va être très, très, très difficile. Non. Tu veux avoir un petit bisou? Non, pas la langue. Non, la langue, c'est très honnêtement, j'étais un peu écœurée. Je crois pas qu'il me croit. Hein. C'est lui qui a dit on n'est pas assez amoureux. Ne t'énerve pas après moi parce que j'ai vraiment fait le maximum. Ce soir, lors d'une soirée qui est donnée ici même, vous allez être confrontés aux beautiful people locaux. Allez tout le monde, allez, venez. Sexy and I know it. C'est du grand n'importe quoi. Je le déteste. Je dis juste que vous êtes trop fake. Hey DJ, c'est bon, je m'énerve. Oh, pourquoi? Merci d'être venu, mais cassez-vous. Il est en train de me faire vivre un enfer. Voilà, j'en peux plus. Oh, je bouffe mes pieds, je vais dans tous les sens, je danse juste comme un con. Mais là, moi, je dis la vérité, c'est mais bien. Mais t'as l'air complètement taré. Waouh, comment tu me gonfles, c'est ouf quoi, là tu me mets hors de moi.